Cette cotation fait suite à l'opération d'emprunt obligataire par appel public à l'épargne qui a permis au pays de placer 18 827 775 obligations au prix de 10 000 francs l'unité. Ainsi, le pays a pu mobiliser au total 188 827 575 000 francs CFA sous le marché sous-régional. Selon la BVMAC, cette stratégie d'endettement public de l'État gabonais pour l'année 2021 s'inscrit pleinement dans la volonté d'avoir une totale maîtrise du service de la dette. Les ressources levées vont servir à financer une partie des moratoires de la dette intérieure, mais également à financer le plan d'action, le plan d'accélération de la transformation de l'économie gabonaise, sur la base desquels nous avons obtenu, en date du 28 juillet, un accord triennal avec le Fonds monétaire international. Donc les 188 milliards levés et qui sont cotés aujourd'hui vont servir au développement de notre économie dans le cadre de la relance post-Covid. Une cotation qui se justifie à plus d'un titre selon les autorités gabonaises. La cotation ici permet de rendre le titre qui a été levé plus liquide pour permettre aux investisseurs de pouvoir les échanger librement sur la bourse, donc la bourse unique de la CEMAC, qui nous permet aujourd'hui de réaliser ces opérations. Et nous espérons que la bourse de notre zone va pouvoir se développer davantage au cours des années à venir. Rappelons que l'emprunt obligataire est une opération de prêt avec engagement pour le bénéficiaire de rembourser la somme prêtée selon les modalités fixées à l'avance.